Mon frère est en train de préparer les produits pour ensuite l'attendre. Elle est patiente, hein, parce qu'il donne des sacrés coups. Hein. Oui, il a perdu un peu, bon, il est quand même plaisant. Quoi. Ouais, bon. Alors, je vais prendre le micro que j'appelle les éleveurs. Je dis à Philippe. Oui. J'ai dormi à une île, pas dans la même nuit. Oh. Et il ronfle. Qui ? Philippe ? Oui. Oh, non, pas de même. J'ai même fait un coup à Philippe. Il a dormi à côté de moi. Ah, il a entendu Rémi. Il vient de rejoindre Rémi. Les leveurs, t'as compris. Avant tout, les leveurs, c'est ça qu'il faut garder. Après, peu importe la race. C'est vrai que c'est une chose rare. On aurait préféré qu'il y ait des Gascons, mais bon, il y a des leveurs. C'est pour ça. Mais à moins, ça reste des leveurs jeunes et dynamiques, c'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, le monde de l'élevage est assez critiqué. Il faut qu'il y ait des jeunes qui prennent la relève. Alors, dans ce classement. C'était quoi ça? Je ne sais pas ce que c'était. Ah, c'était la dernière. Ah, voilà, c'était ces petites vaches de 30 ans. C'est vraiment, c'est pris par 30 mois. Donc il y avait une section. Viens, viens, Démilien. Alors, il va venir terminer. Je te remercie, Rémi, je l'ai dit. Tu es l'ouvreur de bras, tu fais partie du cru. Tu es des artisans de cette foire. Vous qui passez beaucoup d'énergie. Moi, ça fait 4 ans, 5 ans que je viens depuis que vous avez passé la foire à 2 jours. C'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation. On voit le résultat qu'il y a eu. À la fin, c'est quand même une foire faite pour les producteurs, pour les gens qui. Le monde de la ruralité. On parle beaucoup de ruralité, on parle beaucoup de viande, de produits locaux. Tu fais partie de ces gens-là. Tu transgères dans les Pyrénées, tu as ton troupeau, tu fais vivre ta famille, tu as 2 enfants superbes que je vais couvrir hier. C'est, voilà, tu fais partie des gens qui occupent le territoire et c'est important. Malgré, il y a quand même petit, tu lèves les oreilles. Et ça, bon, on te trouvera 2 ou 3 Gascons quand même. Donc, pour te remercier de ce jury, M. Ricard Gascon, c'est pas un jour, c'est un geste qui comptait. Tu nous as fait ce placement avec beaucoup de professionnalisme. Tu as pris du plaisir, j'espère. La dernière avait demandé à Denis, on s'est dit, Denis qui est un élève. Merci. Cécile Bonnet, éleveuse d'ovins à Villard-de-Bel. Voilà. J'ai vu sa maman. J'ai vu sa maman tout à l'heure. Elle n'est pas là? Jacques, elle n'est pas là non plus, le papa? Non. Bon, on passe au suivant. Alexis Boucher. Éleveur, et pas Boucher. Éleveur d'ovins et d'équins à Arc. Lefèvre Marlène, éleveuse d'ovins à Bugarache. Bravo! Avec son chien. Et par ailleurs, danseuse de. Remarquable bergère, hein, qui sait maîtriser ses chiens. Hein. On essaye.
Pauline Grifford, éleveuse de bovins et d'équins à Belcastelmu. C'est la jeune dame qui parle aux chevaux. Oh le chien, sa patronne. Il n'aime pas les escaliers, lui. Paulin Gilles, éleveur de volailles à Grouillé. Non, pas Grouillé. Réellement. Il n'est pas là, peut-être. Hein. Il n'est pas là. Paulin, c'est l'exposant de volailles qui était 15 ans hier. Revoile Arthur, éleveur de vaches, de rebis et cochons. Les cochons noirs qu'on a vu dans les cages. À Belcastelmu. Bravo! Il est là? Oui. Il est là. Bernard Pagès et Marie-Thérèse Séché. Je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais pour assurer la promotion de la vache Gascogne. La vache Gascogne, elle l'a tous connue. Moi, dans mon enfance, je ne connaissais que la Gascogne. Parce que c'était un animal qui avait une vie de qualité, animal de trait, vache laitière, qui élevait son veau, et puis race à viande. Et la quatrième, oui, j'ai dit vache de trait, voilà, vache de trait, bien, voilà. Donc, type de qualité, la Gascogne, c'est un bel animal, et puis on a vu dévier ces beaux spécimens de ton élevage, l'élevage des bois, etc., hein, de beaux animaux, et je vous félicite de la manière dont vous vous impliquez pour assurer le développement de cette race. Voilà. Voilà. Allez, merci. Le Gaec des Bordes, éleveur de bovins à Hautefeuille. Ah, bravo. Alors, ils sont à la fois éleveurs et traiteurs. Je me suis régalé avec le tendron de veau. Hein. Ah, c'est fou. Tout le monde ne l'avait pas dans le temps. Oui, il n'y avait plus de côte de bœuf, mais finalement, je crois qu'on n'a pas perdu au change. Ah, c'était fameux. Bravo. Bravo pour votre organisation aussi. Moi, je dis traiteur, vous valorisez votre produit. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Voilà. Bravo. En tout cas, c'était pas bien. Merci d'avoir assuré aussi la restauration hier en fin de journée. Voilà. Les moutons et puis un enfant depuis quelques mois. Ah. Et je l'ai vu, il est très beau, hein. C'est une bonne éleveuse. Hein. C'est magnifique. Hein. Voilà, bon, bien, je crois qu'on a terminé cette séquence de remise et de récompense. Bon, je vous remercie, nous vous remercions de la Clé des Champs à tous, là, tout le public. Encore une fois, tous les bénévoles qui se sont impliqués dans la préparation et le déroulement de cette manifestation, qui a été parfaitement réussi, avec un temps finalement très agréable, pas trop chaud. On a évité la lourde chaleur des jours derniers. Voilà, et puis j'espère que la 37e sera aussi réussie que celle-ci. Voilà, merci à tous et puis rentrez bien chez vous. Voilà, et reposez-vous bien parce qu'on en a besoin. Bravo!